Du coup, Team Dot, comment ça va? Salut. Ça va bien? Ouais, ça va bon, bien. Tu rentres de cours, là? Tout à fait, ouais. J'en revenais, ouais. Ouais. Je suis venu directement ici. Ouais, dans alors... ce quartier qui est sympa. Et dis-moi, là, ça fait, j'ai compté, donc on va parler de ton EP, vers les ours polaires, qui est sorti le 26 août, je me trompe pas. C'est ça. Ouais, et là, donc du coup, ça fait 2 mois, jour pour jour, qu'il est sorti. Bah ouais, tu me le rappelles. Ouais, c'est un bon anniversaire du coup, et ça te fait quel effet? Est-ce que, avec 2 mois de recul, t'es quoi? T'es très satisfait? T'es satisfait? T'es peu satisfait? T'es pas du tout satisfait? Comment tu te sens? Ah non, je suis très satisfait déjà de l'avoir sorti. Ça, c'est une première étape que j'attendais depuis longtemps. Forcément, c'est un travail en amont, de la passion et de l'énergie qu'on met dedans. Donc j'étais déjà content que juste d'avoir un produit, ouais, un CD dans les mains, tu vois, c'est un truc un peu dingue. Et après, je suis aussi très content des premiers retours que j'en ai eu. Parce qu'il marche bien l'EP en tout cas. Bah en tout cas, on en parle. Et puis les critiques sont bonnes. On arrive à le défendre et à l'amener aux oreilles de gens. Maintenant, l'enjeu, c'est de l'amener sur scène aussi. Et de bien gérer cette transition vers l'album. Mais c'est passionnant. Alors justement, parlons de la scène. Moi, je t'ai découvert à proprement parler sur les avant-scènes de Rock en Scène. Ouais. Après, j'ai pu te voir justement à une date qui était, je crois, ta première vraie date en tant que tête d'affiche aux étoiles. C'est pas trop bizarre justement pour toi? C'était de volonté d'aller sur la scène ou c'est pas trop bizarre? T'as pas trop peur? Parce qu'on sent que t'es plutôt à l'aise quand même, hein, alors que c'est pas évident comme exercice. Non, c'est quelque chose que j'adore et sur lequel je travaille depuis finalement peut-être aussi longtemps que l'EP, même avant, parce que j'ai la chance de faire des concerts depuis je dirais un an et demi. Donc voilà, j'en ai fait un peu et c'est chouette la scène parce qu'on apprend beaucoup en fait. C'est quelque chose de très urgent, de très spontané, on offre quelque chose sur le moment et il y a cette magie là quoi, et puis surtout cette communication, ce partage avec le public qui est en face, c'est assez magique. Alors là du coup il y a une tournée qui se prépare ou qui est actuelle, comment ça se passe? Il y a une tournée qui est actuelle, ouais, en province un petit peu. Demain je fais des premières parties de Miossec au Bouffe du Nord. Après c'est des petits plateaux, des coplateaux dans des salles de province. Je vais jouer à La Fourmi, à Limoges, je vais jouer à Rennes, à Lubu. Voilà, je vais aussi un petit peu dans l'Est, en Bretagne pas mal et en région parisienne aussi. Alors et justement tout ça, comment tu vas le faire pour, entre les études et cette tournée, comment ça se gère? Ça se gère pas forcément facilement tous les jours, mais c'est tout l'enjeu, c'est de parvenir à faire les deux et pour l'instant j'y arrive, je m'accroche et puis c'est assez cool de continuer à apprendre des choses aussi. Les deux s'imbriquent bien, je fais des études qui sont pas si éloignées de la musique. Mais t'en parles avec tes professeurs, ils t'accompagnent, ils t'encouragent? Ouais, bien sûr, ouais, ils m'accompagnent, j'ai la chance d'être dans une école assez ouverte. Où les professeurs en fait trouvent ça assez intéressant finalement qu'un étudiant ait un projet comme ça un petit peu singulier à côté, et puis ils se disent qu'ils ont aussi peut-être tout intérêt à m'aider parce que c'est une belle histoire quoi à raconter. Il y a une fierté justement de tes collègues, de tes de mes potes, de ouais, le frères, regard a, ouais. Le regard a changé depuis l'EP? Non, le regard n'a pas changé, non, mais ils sont contents que je puisse aller défendre mes chansons sur scène, que je puisse avoir des interviews, parler de ma musique. Ça, ils ont. Ouais, ça, les gens sont contents autour de moi, c'est sûr. Après, non, le regard n'a pas changé parce que moi, je ne crois pas avoir changé, il n'y a pas de raison de changer parce qu'on a sorti un EP. Alors, du coup, comment tu te définirais, toi? Quels sont les traits de caractère? Team Dup, artiste, auteur, compositeur. Alors là, on parle de Team Dup, mais Timothée, comment il est dans la vie? Il n'est pas tellement différent. Timothée, il va en cours et il écrit des chansons. Je pense que c'est les deux. Et puis il est jeune aussi, donc il a une vie de jeune à côté de cette T'as quel âge vie trépidante de musique. J'ai 21 ans. Ouais. Voilà,
je sors, je fais la fête, et parfois moins parce que forcément on a des concerts ou des obligations, mais voilà. Et j'ai pu lire que justement tu t'es mis à la musique, non, t'es pas mis à la musique pour ça, mais tu t'es rendu compte assez tôt que la musique aidait avec les filles. C'est une vérité ça? T'écris pour ça? Non, j'écris pas pour ça. En fait, je me suis pas mis à la musique parce que je trouvais que ça plaisait aux filles. En revanche, la première chanson que j'ai composée, j'ai eu envie de l'écrire pour une fille. Donc c'est Moira Gint? Non, Moira Gint, c'est la c'est l'EP, donc c'est plus récent. Peut-être que tu l'avais écrite il y a super longtemps, je sais pas. Non, elle est pas si vieille, elle date d'il y a 2-3 ans quand j'étais dans mon ancienne fac. C'est une fille que j'ai rencontrée dans la bibliothèque pendant les examens. La première, non, c'était au collège. Ouais, ah, t'écrivais déjà au collège. Bah, c'est la première fois où j'ai eu envie, où j'ai eu le besoin de transmettre des émotions à quelqu'un. Et alors du coup, tu les transmets maintenant en musique, mais qu'est-ce qui a fait que c'était le piano qui a été ton instrument directement? Pourquoi pas la guitare ou autre instrument? Pourquoi pas de l'électro directement Ah bah, l'électro, je pense que quand j'ai commencé le piano à 7 ans, je serais pas allé naturellement vers l'électro, qui lui-même déjà était en pleine phase de naissance et de reconstruction. Les années 90, c'est assez fort, la techno et tout, Daft Punk qui a commencé à bien arriver sur place, ça j'ai découvert plus tard. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait découvrir la musique assez tôt et qui voulaient à mes frères et sœurs qu'on découvre un instrument de musique, quoi, qu'on pratique. Donc, du coup, t'as été conservatoire? Non, du tout. Non, une école de musique classique. Une prof particulière. J'ai commencé le piano, mais en fait, mes aînés avaient commencé le piano aussi, donc voilà, j'ai suivi ça. Si ça m'avait pas plu, mon frère a fait de la guitare, par exemple, il a arrêté. Et moi, j'ai bien accroché. J'ai bien accroché aussi avec ma prof qui a été assez bienveillante à l'égard de mon gros flemme et finalement qui a accepté le fait que je puisse ne pas travailler forcément toutes les semaines et qui m'a aussi fait découvrir autre chose que la musique classique. C'est vrai que pour la technique c'est hyper important, mais elle m'a fait découvrir le jazz, le flamenco. Elle me retranscrivait certaines partitions d'artistes que j'aimais bien, comme les Beatles. Ça m'a aussi amené à tu vois, prendre un peu la main sur la musique et avoir envie de créer, quoi, et de sortir un peu des cadres parfois rigides. Et quel était le déclic lorsque tu t'es mis à chanter, à poser ta voix sur les mélodies que tu avais au piano? La voix, en fait, elle est venue bien plus tard. La première fois que j'ai chanté une chanson, c'était en cinquième. C'était presque plusieurs années après que j'ai commencé la pratique du piano. Je sais pas comment ça m'est venu. Il y a quelque chose d'assez spontané et de très intuitif dans la voix. Tu chantes, en fait, tu délivres un message, quoi, directement. Ouais. Et ta voix est très naturelle et très simple, justement, elle va de l'avant directement. On n'a pas l'impression que tu la travailles plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi et c'est le prolongement de ton écriture au final. Tu la travailles pas plus que ça, ta voix, ou tu fais des exercices Je la travaille maintenant, mais finalement, c'est vrai que les premiers cours de chant que j'ai pris, c'est il y a quelques mois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est hyper important de travailler ma voix à chaque fois, parce que j'ai notamment une petite anomalie dans les cordes vocales qui n'est pas du tout dangereuse, mais qui nécessite de bien la travailler en amont. Ah, c'est un muscle, hein, donc de la chauffer. Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait. Avec la voix, tu prends conscience que c'est un instrument en tant que tel, et que comme tout instrument, ça se travaille. Bon, alors du coup, là, il y a eu un EP. Les prochaines grandes étapes, c'est la tournée. Tu penses déjà à un album, là, ou... Ouais, un album, j'espère...
début fin août, début septembre 2017, dans l'idéal, ce serait une belle perspective et du coup la forcer. Là, c'est assez chouette parce que sur scène, je commence à jouer plus longtemps. Et donc de morceaux, ouais, du coup, ça me permet de, à la fois d'avoir besoin de produire pour avoir des morceaux sur scène et en même temps de les travailler sur scène, tu vois, de pas figer les choses en fait. Tu prends un morceau, tu le testes et puis tu peux tester aussi un ordre de set, voir comment les chansons s'imbriquent les unes derrière les autres. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et si tu vois que ça te prendra encore plus de temps dans ton quotidien, si tu dois faire un choix demain entre les études et la musique, tu penses déjà à ça? Quel est le choix que tu ferais selon toi? Pour l'instant, je me le pose pas le choix. Je continue parce que j'y arrive. Si vraiment, à un moment donné, il y a une décision à prendre, je la prendrai et je ferai ce qui m'épanouit le plus, donc j'avoue que la musique m'épanouit pas mal. Ouais. Bon, je reviens juste vite fait sur Miossec, tu vas faire ta première partie là, ce que tu disais au Bout du Nord. C'est les artistes que tu écoutes justement, c'est t'écoutes de la musique française. Ah ouais, j'écoute beaucoup de musique française. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment là? J'en ai écouté beaucoup en plus. Mon père m'a fait beaucoup écouter de musique française. On écoutait pas mal Léo Ferré, Gainsbourg, Brassens, ce genre d'artistes un peu intemporels et dont les plumes sont assez exemplaires quoi, pour un chanteur comme moi qui écrit ses textes. Et donc en français. Tu les prends en exemple aujourd'hui? Ouais, je les prends. En tout cas, ils m'ont donné envie d'écrire en français. Il y a un moment, c'était pas si clair que ça, il y avait de l'anglais aussi. Et c'est typiquement des artistes qui m'ont fait prendre une décision de chanter en français. Parce que c'est une langue que je trouve très belle, mais pas évidente, pas toujours facile à faire sonner, et il y a un beau challenge. Ouais, effectivement. Et en tout cas, tu l'as fait sonner plutôt bien, et c'est ce qui est impressionnant parce que t'as que 21 ans. Et tu as quand même beaucoup de maturité, aussi bien dans tes mélodies que dans tes mots. Cette inspiration, c'est ton quotidien et c'est vraiment que ton quotidien ou t'extrapoles, tu mens un petit peu? C'est incroyable de se dire que tu as autant d'aventures sur 4 titres pour l'instant qu'on connaît. Ce TER Centre, il y a plein de choses qui sont dites et on s'y reconnaît en plus dedans. Ah non, je mens pas du tout. Pour le coup, c'est des textes qui sont très sincères. Un texte qui s'écrit d'une traite? Ouais, j'aime pas beaucoup. Impulsion. Ouais, j'aime bien ce côté très spontané et assez fleuve, assez urgent. Je trouve que les émotions se couchent mieux et transparaissent d'une meilleure façon à celui qui écoute la chanson, ouais, quand on écrit de manière assez spontanée. Après, c'est des choses que, tu vois, sur ces quatre morceaux, il n'y a pas tellement de choses incroyables d'histoire. Et, enfin, je veux dire, ça en devient incroyable en fait. C'est simple en fait. Ouais, mais ça en devient incroyable, la manière dont tu le chantes, la manière dont tu le joues, la manière dont tu l'exprime tout simplement, ça devient incroyable. Bah écoute, donc, tant mieux, mais c'est vrai que j'essaie pas tellement de calculer la manière dont j'écris des textes. Là en ce moment j'ai plus de mal à rentrer dans, c'est peut-être la période, le temps, le fait que je sois bien occupé, voilà, on a tous cette rentrée, tu vois, qui est un petit peu écrasante, et là je compose, enfin j'écris moins. Et finalement, je me dis que c'est pas si grave. Il y a un moment, je pense, que ça va se coucher et ça va venir. Ah, donc, la chose dans son temps. Donc, la première étape, c'est qu'on a été voir en concert. Ouais. Du coup, donc il y a les étoiles à Paris qui sera à quand? Tu as la date? Le 30 novembre. Donc ça c'est mon concert encore. Ça c'est chouette de pouvoir commencer à rencontrer un peu son public, c'est génial. Ouais. Et surtout c'est que c'est génial pour le public parce que sur scène c'est quand même assez cool aussi. T'es tout seul sur scène mais il y a quand même une énergie qui est assez fabuleuse et je t'en félicite. Donc le 30 novembre et puis éventuellement d'autres titres au fur et à mesure, d'autres singles et un autre EP ou un album directement, et ça serait plutôt cool que tu sortes plus de titres du coup. Parce qu'il y en a sur scène qui sont vraiment bons et qu'on a hâte de réentendre. Et du coup il faut s'armer de patience. Il y aura d'autres contenus d'ici quelques mois. Ouais. Bon, je t'en remercie. Je t'en remercie Team Dup, on se dit en 30 novembre aux étoiles alors. Avec grand plaisir. Ciao, bye.